Good morgen, allez, Iden les Yusra aujourd'hui, le Nishmat Dov, Ben Yudit, et Vétarabam Ben Chedvar, et Esther Bat Miriam, et Tracperez Ben Fortuna, et Chaim Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider dans une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 communauté éternel. Nous étudions Masechat Shabbat, Perikut Bet, Mishnah Dalet. Akotev Shte Otiot, Behelem Echad Chayav, Katav Bidio, Besam, Besikra, Bekomus, Bekan Kantom, Ovechol Davar Shu Roshem, Al Shne Kotlezat Daviot, Veal Shne Luche, Pinkas, והן נהגין זה אחר זה, חייב. הכותב על בשרו חייב, והמסרט על בשרו רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פותר. On explique directement, on est dans les interdits, dans la melacha de Kotev. À partir de quand on transgresse la melacha de Kotev, d'écrire, on a commencé à la découvrir maintenant depuis la Mishnah précédente. Et puis, donc on va continuer à découvrir les conditions requises. En réalité, on va étudier là tout de suite une Mishnah qui est relativement simple, et même à la limite un peu trop élémentaire. Mais son principe de cette Mishnah, il est que c'est la réciproque de la Mishnah Hey. C'est-à-dire qu'en fait, dans Mishnah Hey, on va découvrir toutes sortes de choses pour lesquelles on ne va pas transgresser l'interdit d'écrire à Shabbat, parce qu'il n'y a pas les conditions requises. Et du coup, c'est fréquent. Lorsque la Mishnah veut nous dire que veut nous donner la limite à partir de quand je considère oui et je considère non, donc elle va nous donner la limite la très proche où en fait, dans ce cas-là, tu seras Khayav, dans ce cas-là, tu seras Patour. Et c'est ce que la Mishnah commence à faire en fait, en me rapportant des cas où on va voir qu'on est Khayav, mais c'est en fait le principe, il est d'introduire que par contre, les cas que tu vas découvrir dans la Mishnah, hey, qui vont ressembler beaucoup à ceux de la Mishnah Alet, cette fois-ci, ils seront Patour là-bas, tandis que là, on est Khayav. D'accord? Je commence à traduire directement. À côté, j'étais au tiyot BLM Echad. Celui qui écrit deux lettres, BLM Echad, dans un seul oubli, c'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé au milieu qu'il était en train d'écrire, il n'a pas réalisé que c'était Shabbat et qu'il transgressait. Je vais expliquer tout de suite, mais d'abord je finis la phrase. Dans les deux cas, la Mishnah me dit qu'il est Chayav, parce qu'il était dans un seul oubli. Je reprends le cas un peu plus à l'oral. En fait, ça va être une discussion, ce sera une Mishnah Meforeshet. À la fin du Perek en réalité. Vous savez qu'il faut, on avait déjà appris dans la Mishnah précédente, ou en une au-dessus, quoi, qu'il fallait être Beshogeg Mitrila Vatsof. Il fallait être, pour être passible d'un Korban Khatat, il faut être Beshogeg, par inadvertance, avoir oublié. Il faut oublier du début de la Melacha jusqu'à la fin de la Melacha. C'est-à-dire, si je commence à faire une Melacha, en ayant oublié que c'est Shabbat, mais après je réalise que c'est Shabbat et je continue à faire la melacha, je ne serai pas chayav de Korban Khatat. Ça, on l'a déjà appris. Il y a un autre cas plus délicat qu'on va apprendre à la fin du Perek, c'est le cas où j'ai pris conscience de la vera que j'ai fait, alors que j'avais de toute façon pas fini de faire la vera. C'est-à-dire, on va prendre sur l'exemple de Kotev. Alors, je transgresse l'interdit d'écrire que si j'ai écrit deux lettres. Imaginez que j'écris une première lettre et j'ai réalisé que c'était Shabbat. Je dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et je reviens après, un quart d'heure après, j'ai de nouveau oublié que c'est Shabbat et j'écris la deuxième lettre. Est-ce que le fait d'avoir pris conscience au milieu va interrompre les deux demi, vont faire que dans ce cas-là, c'est plus un seul interdit. Et c'est ce qu'on verra à la fin du chapitre, que la halakha sera comme Chachamim, que c'est considéré que ça interrompt la vera. D'accord? Je pense que je ne me trompe pas, la halakha Chachamim, exactement. Parce que Chachamim vont nous dire que ça interrompt. Maintenant, je reviens maintenant sur notre Mishnah, ça sera dans le Mishnah Vav. Donc dans la Mishnah Dalet, la Mishnah enseigne, sache que lorsque tu écris deux lettres, Behelem Echad, dans un seul oubli, c'est-à-dire que tu n'as pas réalisé au milieu que c'était Shabbat, mais du début jusqu'à la fin tu as oublié que c'est Shabbat, eh bien Chayav, tu seras Chayav. Idem encore si Katav Bidio. Alors là, on va commencer à entrer dans les conditions concrètes en parlant des qualités d'encre. Qui sont Katav Bedio, avec de l'encre, Bessam, c'est encore un autre produit, je ne sais pas comment, le Bartenois nous donne un mot en arabe, ou en, je ne sais pas, Pigmentos, Oirum Pigmentos, en yiddish, ça vous aide beaucoup? Non. D'accord, en tout cas ça c'est le Sam, ça peut être aussi une drogue en général, c'est les produits préparation végétale, Bessikra, alors, Sikra, Bartenois, il rapporte que c'est une sorte de terre rouge.
Et donc on l'utilise, j'imagine, on l'a dilué dans l'eau et on écrit avec. Bekomos. Komos, alors c'est de nouveau une sorte de terre, cette fois-ci, qui est noire, cette fois-ci. Ou Bekankantom, alors là, de nouveau, c'est des mots en lahaz ou en arabe. Soit du zag, soit du vardioli, vitriol, je sais pas. Kankantom. En tout cas, le principe, il est que, quelle que soit l'encre que tu as utilisée, tu utilises une encre qui va laisser une empreinte. C'est-à-dire que une super encre, c'est une encre que lorsqu'on écrit, elle ne s'efface pas. Une très mauvaise encre, ce sera ce qu'on verra dans la Mishnah. Hey, c'est une encre que tu écris, puis après tout disparaît. Il y a des encres qui sont certes pas extra, que lorsque vous écrivez, ça s'efface, mais malgré tout, il va quand même rester une trace de lettre. À partir du moment où il va rester une trace de lettre, qui va être plus ou moins lisible, donc ça s'appelle que maintenant, tu as écrit avec quelque chose qui va être Shel-Kayama, qui va se maintenir pour longtemps. D'accord? Même si ce n'est que l'inscription, l'empreinte des lettres qui va rester, malgré tout, on transgresse un interdit. Idem, encore, si on bechol d'abord sur Rochem, ou encore, cette fois-ci, on ne va plus parler des qualités d'encre, mais cette fois-ci du papier, enfin du récepteur des lettres que j'écris. Al-Shne Kotlezaviyot, c'est écrit sur les deux murs en coin. Ve'al-Shne encore sur deux ardoises. L'Oharpinkas, c'est littéralement un tableau du carnet. C'est une ardoise où ils écrivaient les dettes. On écrit, on efface. Et la Mishnah me dit, mais dans ces deux cas de figure, des deux murs en coin, ou encore des deux louchépincas, des deux ardoises, et on parvient à pouvoir les lire et les prononcer ensemble. Chayav, alors on sera condamnable. La différence de la prochaine Mishnah, on verra que si j'écris. C'est vrai que je t'ai demandé d'écrire deux lettres, mais c'est pas le fait de simplement écrire deux lettres. C'est le fait d'avoir au final deux lettres qui ont une certaine signification. Alors là, en français, c'est interdit. Par contre, si tu écris une lettre sur un papier et une lettre sur un autre papier, eh bien, on ne transgresse pas l'interdit parce qu'elles ne se lisent pas ensemble. D'accord? L'interdit d'écrire, c'est écrire quelque chose qui est ensuite lisible. Or, lisible ensemble. Vénéguin, donc on a dit, dans tous ces cas de figure, pour le moment, on sera chayav. D'accord? Parce que pour le moment, donc on a écrit avec une encre qui laisse une empreinte, et on a écrit aussi sur deux, même si ce n'est pas sur le même papier, mais sur deux papiers qui peuvent être lus ensemble. Donc on transgresse l'interdit d'écrire. Ou encore, à côté de Valbessaro, chayav, la grand chidouche, celui qui écrit sur sa peau, il est chayav. Personne n'a expliqué ici, à ma grande peine, qu'est-ce que ça inclut exactement, parce que finalement j'ai un problème technique. Ça ne tient pas très longtemps. En général, quand on écrit sur la peau, ça finit par partir après une de douche. Donc ça devrait être quelque chose qui n'est pas Shel-Kayama. Et malgré tout, c'est considéré comme quelque chose qui est Shel-Kayama. Je ne sais pas l'interpréter. Je suppose qu'en fait, parce qu'à partir du moment où c'est assez tenace, ça ne part pas tout de suite. Donc ça y est, tu transgresses l'interdit d'écrire, même si c'est écrit sur ta main. Sur ta peau. Par contre, si c'est Hammesaret al-Bessaro, alors Messaret al-Bessaro, en fait, c'est qu'il fait des incisions. Il écrit avec des incisions, avec une lame, par exemple. En fait, le principe, il est que c'est le même principe que le tatouage. On incise la peau et comme ça, l'encre se fait mieux imbibée dedans. Maintenant, le bâtonnier, il nous dit qu'attention, c'est pas qu'il a, il a incisé, il a écrit avec une lame et puis après, il a mis de l'encre dedans. Il n'a pas mis d'encre. Par contre, c'est le sang qui est monté dedans et qui a bouché le trou. Eh bien, Rabbi Lézard, Rabbi Lézard va nous dire, ça y est, parce que ça s'appelle que tu as écrit. Tandis que Rabbi Yoshua Potter, le choix à distance, pourquoi? Parce que, comme il nous dit le Barthénora, les fiches Enderer Ktiva Bekar, ce n'est pas l'usage d'écrire, ce n'est pas une manière conventionnelle d'écrire. Or, vous savez bien que pour Shabbat, on transgresse l'interdit de Shabbat que lorsqu'on réalise le travail de manière conventionnelle, classique, normale, et pas de manière farfelue, originale. Donc, ce n'est pas une manière d'écrire, de se faire des sritot, de se faire des égratignures sur la peau. Et donc on n'est pas tour, et comme ça est fixé la halakha, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, comme tout, c'est là.